mesdemoiselles et vous, messieurs. Pour votre oui, je vais me décrire. Laissez-moi faire pour votre plaisir. Je suis ici pour vous divertir. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Je parle aux êtres féeriques pour vous créer un instant unique. Vous apprenez toutes mes techniques et vous vivrez des moments magiques. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Si vous souhaitez de profonds changements, venez à moi, écoutez mes serments. J'use de mes charmes et de mes talents pour vous offrir une femme et des amants. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Les chers gens, oubliez votre dette et libérons ensemble la bête. Venez avec moi chanter à tue-tête, boire des bières et faire la fête. Je l'ai salué, mais on a rentré en même temps, je pense. Ouais. De quoi nettoyer mon armure à l'extérieur, de son bain. Juste que, voilà, juste que Ilana, elle a pris le temps de s'occuper de son cheval, de nettoyer son armure et tout, et moi j'ai tracé à la chambre. Je me suis occupée de mon cheval, je suis rentrée, j'ai salué toutes les personnes que je croisais sur mon chemin. Voilà, on salue tout le monde. Et en plus, je leur tends mon tronc, des fois qu'ils aient des envies de générosité subite. Alors, tu vas tomber, toi, Thalys, comme Georgia est assez pris avec Ilana, tu vas être prise avec Kitana, qui va te prendre en charge, et va t'amener dans une chambre en te disant, mais pourquoi ça vous dirait d'avoir une chambre à côté de votre ami? Oui, s'il vous plaît, oui. On est contentes de voyager ensemble et on préfère pouvoir veiller l'une sur l'autre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les murs sont fins, vous pourrez facilement discuter ensemble. Il s'agit seulement d'une petite séparation. Je pense que ceci vous ira. Parfait, c'est parfait. Alors du coup, elle te conduit effectivement à la chambre... Si, je pense que c'est la plus proche. Très bien. Ah bah du coup, oui. Pardon. Voilà. C'est vrai que je les ai fait un petit peu gros, hein. C'est pas qu'ils ont beaucoup mangé, mais... Du coup, madame, est-ce qu'il vous faudra quelque chose? M'appeler à l'heure du dîner ou si d'autres personnes se présentent. On est bien au Corbeau d'Or là. Oui, vous êtes au Corbeau d'Or. Alors je suis. Katina. J'ai été. Qu'est-ce qu'il y a, Georgia? Ah bah trop tard. Elle est occupée. Et du coup, ouais, Georgia lui dit, viens donc par ici remplir le baquet de Mademoiselle Ilana. Bah je la laisse aller travailler alors. Je l'embêterai plus tard. Appelez-moi quand ça sera l'heure de dîner, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Et tu entends en plus... je vais aller prévenir Scapti pour qu'il vienne m'aider à amener le baquet. Et du coup, effectivement, tu moi, vois je fais l'innocence. Que vous êtes... vous êtes un petit peu seul parce que du coup, ils sont partis. Si éventuellement vous voulez vous parler, voir,
J'avoue que je veux bien voir la carte de Jas. Tu veux bien voir quoi? La carte de là où on est, parce que j'ai toujours un écran noir à mon côté. Ah oui? Je te vois dans la chambre, à côté de moi. C'est bon. Merci. Bah, je viens toquer. Non, toi, t'es en train d'attendre ton baquet d'eau, c'est ça? Elle est en train d'attendre son baquet d'eau. Ouais. J'ai défait mon armure et j'ai posé ça dans un coin de la pièce. Alors, je viens toquer à ta porte et je te dis que je sais pas si... Tu vas travailler la porte ou t'attends que j'ouvre la porte? Non, j'attends que tu ouvres, évidemment. Attends. J'ai pas été élevée chez les chiens. Bah, les murs sont fins. Donc... Au fait! En tambourinant, tu sais. Non, j'attends tranquillement que tu viennes m'ouvrir. Je suis bien élevée, à peu près. Oui, Thalys. Est-ce que, je sais pas si Marc t'en a parlé, mais dans son courrier que m'a envoyé, que m'a fait parvenir Liliandre, elle me parlait de deux personnes qu'on devrait retrouver ici, Scapi et Alpire. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que Marc t'en a parlé? Il m'a rien dit. Ok. Bon, tu sais, il n'est pas très ouvert à la discussion et aux explications. Il me semblait avoir retenu celle-lui, oui, de ses quelques passages à l'étoile. Bon, bah, très bien. Je pense qu'on pourra essayer de les trouver plus tard. Effectivement, vous entendez du bruit qui s'approche de votre chambre. Vous voyez, du coup, Georgia qui... Jas qui s'approche de la chambre d'Ilana en faisant pas mal de bruit. Et il n'est pas tout seul. Il a quelque chose d'assez impressionnant avec lui. Quelque chose, quelqu'un, un objet Voilà, quelqu'un. Quelqu'un d'assez immense que vous pouvez voir. Dans les PNJ. Dans les PNJ. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Si on les a pas encore croisés, je salue la personne avec qui il est. Du coup, tu... J'essaie de savoir si c'est... Alors, c'est un demi-ogre. En te voyant un petit peu intimidé. Et du coup... Georgia vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est Capti, c'est le jardinier, ils mettent des fois de temps en temps à l'auberge. Alors, mademoiselle, où est-ce que je vous pose le baquet? Dans ma chambre, si c'est possible. Oui, bon, y a pas de souci. Athalise, elle fait un pas en arrière, respectueusement, mais elle fait un grand sourire à Capti, juste elle le regarde passer comme ça. Parce que il est un peu plus grand qu'elle, vraisemblablement. Et un peu plus imposant. Oui, effectivement. Voilà. Et il va te sourire avec ses dents un petit peu usées. Bonjour. Bonjour, Scap. Bah, bon, du coup, bonjour, Scapti. Vous m'avez été chaudement recommandé. C'est gentil. Tu vois qu'il est un petit peu gêné. Et du coup, il continue son chemin avec Georgia, et un peu rouge. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter un peu plus tard. Oh ben, avec plaisir. Ça m'irait bien, moi. À plus tard, alors. Tu vois qu'il reste un petit peu... Du coup, maintenant, il fait un peu peur. Il reste un petit peu penaud devant toi. Ouais, à tout à l'heure. Et il s'en va. Georgia, du coup, lui aide Katina à amener les seaux pour remplir le baquet. Bah, je vais les remercier une fois qu'ils ont terminé. Et puis. Et je prends congé pour te laisser tranquille. Je ferme ma porte. Ouais, je m'en vais. Et je me nettoie en priant à Liana de me nettoyer du sang que j'ai versé. Et il me semble que tu avais enlevé ton armure et que tu leur avais confié éventuellement pour mettre détremper dans un baquet à l'extérieur. Je leur ai pas confié mon armure, je leur ai juste demandé le baquet et c'est des choses dont je m'occupe moi-même. Donc, dès que j'ai terminé,
Je mets une tenue classique et je vais effectivement nettoyer mon arme, mon bouclier, mon armure à l'extérieur. Ça peut être dans les tables, comme ça je suis à côté d'Eolia. Je reste là le temps qu'il faut pour faire briller tout ça. Ok. En ce qui concerne Atalys, du coup. Moi, je vais me recueillir, pareil, faire un brin de toilette, mais j'ai pas besoin d'une bassine. Je vais simplement prendre le, je suppose, un brodeau ou enfin une autre toilette, un bac d'eau de toilette simple, un seau. Oui, dans la oui, il y avoir. Donc, je vais faire pareil, un brin de toilette, me laver les mains, le visage, parce que du coup, j'ai pansé des plaies aujourd'hui, et puis me mettre en recueillement jusqu'à ce que ce soit l'heure de manger ou qu'on ait besoin de moi. Okay. Du coup, vous remarquez quand même que les séparations que vous avez entre vos deux chambres sont vraiment fines. Parce que vous entendez vraiment le petit clapotis de l'eau l'une de l'autre. Et vous remarquez qu'effectivement, ça, c'est vraiment de fortune, quoi. J'essaye de faire abstraction. Je me dis que j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit cette nuit pour pouvoir bien se reposer. On peut mettre des boules pièces. Peut-être le ton de ma prière que j'avais commencé naturellement en un moment et je vais plus intérioriser. Et c'est à ce moment-là qu'arrive notre cher Ankh dans ce petit endroit avec palissade à peu près sécurisé, un petit peu plus rassurant que ce que tu as vu ces derniers temps sur la route. Mm-hmm. Je pense que là, tu peux espérer voir un petit peu moins de loups. Ce serait pas de refus. Ça, c'était pas mon estomac, je vous rassure. Alors du coup, tu aperçois un petit peu au loin. Et effectivement, tu vois un nain avec une petite enfant. Ils sont invisiblement en train de se parler tous les deux. Ça t'intrigue pas? Non. Je fais pas plus. J'ai vu qu'ils étaient en train de parler, mais ça va pas plus m'intéresser que ça. D'accord. Du coup, tu vois que l'auberge, pour l'instant, il y a personne qui t'accueille. Ça va venir. Tu vas voir un demi-ogre sortir, te regarder, baisser la tête et repartir derrière l'auberge. Et tu vas voir assez vite Georgia arriver avec un seau vide et te voir. Ah ! Un nouveau venu. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes ? Merci. Et vous-même ? Moi, je suis George Gass, le tenancier de l'auberge. Et vous ? Moi, je m'appelle Ankh. Ah, charmant. Que puis-je faire pour vous ? Vous voulez passer la nuit ici ? S'il y a encore de la place ? Oh oui, on n'en manque pas, ça devrait aller, hein. On devrait pouvoir vous caser, je pense. Ce serait pas de refus, alors. Bien, bien, bien. Eh bien, rentrez donc. Merci. Et puis, je rentre à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur, tu vois dans un coin une femme qui est en train de préparer cuisine, en train de préparer des légumes. Et du coup, il te dit, écoutez, nous n'avons pas des chambres très très bien isolées, mais je pense que cela devrait vous convenir malgré le confort. Oh, vous savez, je me contente de peu. C'est bien. Eh bien, je vous laisse choisir. Hein, évitez juste les petites chambres par là. Il y a déjà du monde. D'accord. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous y amène? Non, est-ce que vous avez une chambre avec une fenêtre? Ah oui, une très très belle fenêtre.
Suivez-moi. Voilà. Et il t'amène dans cette chambre-là. Ok. Loin des filles. Hop. Voilà, du coup, je rentre dedans. Il vous dit, vous avez fenêtre sur le bazar de ma fille, sur la grange. Donc, je regarde à la fenêtre, et puis je vois quoi? Tu vois la grange et le bazar, et tu vois un petit peu en fond, au-dessus de la palissade, tu vois un semblant de dessus de village. Tu reconnais Vercol. Ça te permettra de te rappeler certains souvenirs. Je lui dis, écoutez, ça me va très bien. Eh bien, si cela vous va, nous préparons à manger. On vous préviendra quand ça sera prêt. Je vais plutôt poser mes affaires et me mettre à une table et prendre quelque chose à boire. Et effectivement, là où tu es, tu entends effectivement les coups de couteau dans la cuisine donnés aux pauvres légumes qui se sont penchés. Libérer les légumes. D'accord. Libérer les légumes. Et justement, comme on a bien fait les choses hier soir, vous allez avoir Alnar et Erin qui vont arriver, mais pas tout seuls. Ils vont être accompagnés. A priori, on va être que tous les deux, parce que les deux jeux vont rester à l'entrée de la ville, je pense. Autant les faire rentrer, il faut les faire manger quand même. Sauf si les miliciens disent rien à l'entrée, mais... Vous en avez pas, là, pour moi. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous nous ramenez, du coup. Alors, du coup, on commence à rentrer. Et du coup, effectivement, on voit, du coup, deux personnes qui discutent dans un hangar. Est-ce qu'ils ont... Ils sont habillés comment? T'en vois un qui est assez... Enfin, on voit qu'au niveau de l'apparence, il veut paraître riche. Au niveau de la jeune fille, vous remarquez des habits assez simples, pas de chichi, c'est simple. Erin, est-ce que tu penses qu'on peut vendre ce qu'on a récupéré à ce monsieur là-bas? Je sais pas, après moi ce que j'allais te proposer, c'est déjà de voir qui on doit rejoindre, de voir si parmi eux, il y en a qui pourraient en avoir l'utilité, du cas échéant, leur donner ceux qui pourraient en avoir l'utilité, leur en donner, et après revendre le surplus, si ça va. Pourquoi pas? Approchons-nous. Du coup, on s'approche de... J'imagine que il y a l'enseigne du Corbeau d'Or, on voit directement où c'est, de toute façon. Du coup, on va faire une première... Enfin, je passe devant parce qu'il a les bras chargés. Ouais, j'ai un gros sac qui fait un peu bling-bling, et là, je pense que je vais laisser les deux invités à l'entrée de l'auberge, parce que là, pour le coup, je pense qu'ils vont pas rentrer dormir à l'intérieur. Alors, effectivement, vous allez voir quand même Timinès, les deux personnes qui sont dans la grange, qui voient ce que vous amenez, et effectivement, ils se rangent encore plus à l'intérieur de la grange, un petit peu effrayés. Du coup, je vais aller les voir, au final. Bon, du coup, on y va. Ouais, aller les voir pour les prévenir qu'il n'y ait pas de choses malencontreuses qui se passent pendant la nuit. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, vous allez les voir. Bien le bonjour, messieurs. Bonjour, l'ami. Bien le bonjour. Faites attention, vous avez des... Vous savez, là. Oui, ils sont avec nous. Ils sont pas féroces. Ils sont avec nous. Il y a pas lieu de s'inquiéter. Je sais pas, est-ce qu'il y a une personne en charge de la sécurité dans la ville que je devrais prévenir pour être sûr qu'il n'y ait pas d'imprévu qui soit fait, pas qu'il y ait de malentendu? Mettez-les avec ce capti, ça devrait aller.
Ok, Scapu, il nous en avait parlé, donc on sait qui c'est, on est d'accord. Oui, il est derrière l'auberge de l'autre côté. Confiez-lui, Volou, je pense que lui saura quoi en faire. Ok, très bien. Merci. De rien. faites attention à ma carriole. Ici, ne les laissez pas approcher, j'ai pas envie de perdre mes marchandises. Ne vous inquiétez pas, si on n'est pas offensif contre eux, ils sont tout gentils, n'est-ce pas, Irim? Du coup, tu vois quand même qu'en passant à côté, c'est vrai que les loups commencent un petit peu à avoir un petit peu l'envie d'aller voir, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt les laisser dehors, les loups. Tu vois, qu'ils aillent se nourrir dehors, qu'ils passent pas la nuit affamés, qu'ils se passent pas un truc moche avec un poulailler ou des chevaux ou quoi que ce soit, à l'intérieur du village, mais je vais les laisser à l'extérieur. J'essaie de leur faire comprendre qu'ils passent la nuit dehors. Fais-moi un petit jet de dressage pour officialiser tout ça. Alors là, si tu me fais un échec critique, ça va, c'est bon. ça aurait été fun. Ça aurait été fun. Mais les murs sont très fins, on aurait peut-être entendu pour pouvoir intervenir.